Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Glitch, importation de tenue toujours fonctionnelle dans les poteaux pour ceux qui ne connaissent pas ce glitch. Vous pouvez importer des tenues modées du mode réalisateur. Glitch relativement facile à réaliser. Dans un premier temps, pour pouvoir réaliser ce glitch, il va falloir aller en mode histoire et manger une poyotte d'oiseau. Une fois que vous avez mangé la poyotte d'oiseau, vous allez en mode réalisateur. Vous mettez en favori l'oiseau et le personnage online sur lequel vous voulez mettre les tenues. Une fois que vous avez fait ça, vous allez en session publique, vous allez avoir besoin d'un véhicule terrestre. Donc vous prenez un véhicule à vous, il va falloir se rendre sur la course contre la montre. Il n'y en a qu'une dans la session, ok? Et chaque semaine, elle change de position. On va se mettre en dernière position, en point d'apparition, dernière position. Ok, ou alors au complexe, vous pouvez mettre aussi. Une fois que vous avez mis le point d'apparition, dernière position, on va se rendre sur la course contre la montre. Une fois sur la course contre la montre, on va faire flèche de droite pour lancer la course. On fait flèche de droite pour lancer la course. Derrière, on fait flèche du bas. On va sur Franklin ou Michael. Voulez-vous vraiment quitter la session? On confirme. Une fois qu'on apparaît avec son personnage du mode histoire, on va faire pavé tactile, mode réalisateur. Pavé tactile, mode réalisateur. On accepte le premier message et le deuxième message de sauvegarde, on accepte aussi. Là, on va paraître dans la caravane. On va aller dans acteur favori. Dans acteur favori, on a l'oiseau et le personnage online sur lequel on veut mettre les tenues. Là, on va appuyer flèche du haut ou flèche du bas. On va rester appuyé à peu près pendant 25 minutes. À chaque va-et-vient, ça va dupliquer un oiseau. Il va falloir dupliquer les oiseaux pendant 25 minutes à peu près. Donc je vous conseille de mettre une élastique. Et dès que vous voyez un personnage qui se téléporte sur la botte de foin, vous pouvez arrêter de dupliquer les oiseaux. Ok? Donc là, je reste appuyé flèche du bas ou flèche du haut. Je vais dupliquer les oiseaux pendant 25 minutes. Et dès que je vois le personnage qui se téléporte sur la botte de foin, là je peux arrêter de dupliquer, d'accord? Et n'oubliez pas que vous pouvez importer seulement les tenues qui ont les masques de Noël. Si la tenue n'a pas le masque de Noël, vous ne pourrez pas l'importer, ok? Donc je vous mets la plupart des masques de Noël. Si vous voyez une tenue avec un de ces masques-là, la tenue vous pourrez l'importer. Ok, donc mémorisez bien les masques de Noël, d'accord? Voilà, choisissez une tenue avec l'un de ces masques, d'accord? Il vous faut à tout prix l'un de ces masques pour pouvoir importer la tenue, ok? Mémorisez bien les masques. Donc là, on attend que le personnage se téléporte sur la botte de foin. Là, le personnage se téléporte sur la botte de foin. On reste toujours appuyé, on fait encore 2-3 va-et-vient. Une fois que c'est fait, on place le curseur sur GTA Online. Une fois qu'on a placé le curseur sur GTA Online, on va faire rond, on va aller dans Acteur. Une fois dans Acteur, on va choisir un onglet n'importe lequel. Par exemple, Secours. Et dedans, on a encore des onglets. On se place sur un onglet et on fait carré pour faire défiler les tenues. Et on cherche une tenue avec les masques de Noël. Dès qu'on trouve une tenue avec un masque de Noël qui nous plaît, on fait triangle pour la mettre dans les favoris. D'accord? On peut mettre plusieurs tenues dans les favoris et à la fin choisir laquelle on veut importer. Donc là, je cherche une tenue avec un masque de Noël. Dès que je l'ai trouvée, je fais triangle pour la mettre dans les favoris. Et une fois que j'ai trouvé ma tenue, je vais chercher la plaque de police et le badge IA.
Donc là, j'ai trouvé ma tenue, je l'ai mis dans les favoris. Maintenant, je cherche la plaque de police. D'accord? Donc je suis sur l'onglet IA. J'ai l'impression qu'elle sort plus souvent sur l'onglet IA, la plaque de police et le badge. Voilà, une fois qu'on a trouvé le badge et la plaque de police, qu'on a mis notre tenue dans les favoris. Une fois qu'on a mis la tenue dans la favori, on cherche sa plaque et le badge. Une fois qu'on a trouvé la plaque et le badge, elle est là, par exemple. Là, je vais faire rond, deux fois rond, aller dans acteur favori. Et on peut voir que la plaque a été transférée sur le personnage nommé Oiseau. D'accord? Là, ce qu'on va faire, on va aller sur la tenue. Surtout ne pas aller sur GTA Online. Si on va sur GTA Online, on perd le badge et la plaque. D'accord? Donc là, la badge et la plaque est sur le personnage nommé Oiseau. On va faire flèche du haut pour aller sur la tenue. Ça nous met la tenue sur la botte de foin. Là, on va faire croix pour sortir avec. Une fois à l'extérieur, on va faire flèche du bas. On fait flèche du bas. Retour à la caravane. D'accord? En même temps, on inspecte la tenue. Donc flèche du bas, retour à la caravane. Et là, dans la caravane, on peut choisir la tenue qu'on veut importer parmi toutes celles qu'on a mis dans les favoris. D'accord? Et là, on inspecte laquelle tenue on veut importer. Une fois qu'on sait laquelle on veut importer, on se place sur la tenue et on fait croix pour sortir avec de la caravane. Okay? Je vais importer cette tenue-là, moi. Donc, je vais faire croix pour sortir avec. Là, on va faire flèche du bas et on va aller sur son personnage du mode histoire. Ok? Là, je vais aller sur Franklin. Voulez-vous quitter le mode réalisateur? Je confirme. Une fois qu'on va apparaître en mode histoire avec la tenue et son personnage online, on va faire touche Option et rejoindre ami. Option en ligne, rejoindre ami. Donc là, on rejoint la session pour amis. On est dans les airs, on va avoir ce message. Échec de la recherche, session non compatible. Ok, on va faire croix, on va confirmer. Et là, on apparaît en session avec la tenue. Et là, on n'a plus qu'à sauvegarder la tenue dans un magasin ou alors dans un de vos appartements. Voilà les poteaux, je vous dis bon glitch, à bientôt, ciao!